Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer une petite routine rapide pour les matins où on n'a pas vraiment le temps, mais où on a quand même envie de délier ses tensions. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières notifications de vidéos sorties. Vous pouvez également soutenir mon travail sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer du coup assis en tailleur dans une posture qui est confortable pour vous. Ramenez les mains sur les genoux, paumes de main tournées vers le plafond. Allongez bien le dos, menton vers le cou, fermez les yeux. Puis commencez à observer votre respiration. Si vous avez l'habitude, ici vous pouvez engager Ujjayi, fermez votre bouche et commencez à respirer par votre nez. Inspirez un petit peu plus profondément et expirez complètement. Allez un petit peu plus loin, l'inspiration, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève et à l'expiration, la poitrine redescend, le nombril rentre vers le dos. Relâchez bien vos épaules, allongez bien la nuque et le dos. Puis à l'inspiration, ouvrez les yeux, ouvrez les bras vers le ciel. Paumes de main qui se font face, regardez vers vos mains. Expirez, main droite sur le sol, venez vous pencher vers la droite. Au bout des doigts de la main droite au sol ou main à plat. Inspirez, remontez. Expirez, changez de côté. Inspirez, remontez, expirez, on retourne à droite. Cette fois-ci, on ouvre le bras gauche vers l'arrière, on regarde vers l'arrière. Inspirez, ramenez le bras, remontez le bras droit vers le ciel et on change de côté, main gauche au sol. On vient se pencher, puis on ouvre le bras droit vers l'arrière, on regarde vers la main droite. On inspire, on ramène les deux bras vers le centre, on expire, main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite derrière soit torsion. On inspire, les bras qui remontent vers le ciel. On expire, torsion vers la gauche, main droite à l'extérieur du genou gauche. On inspire, les deux bras vers le plafond. On expire, les deux bras vers l'avant le plus loin possible. On dépose les mains sur le sol. On inspire, on allonge bien le dos. Et on expire, on descend légèrement. On relâche bien la nuque, le regard vers le sol ou vers les mains. On essaie de garder les fesses bien ancrées dans le sol. On ramène les omoplates en contact dans le dos. On inspire, on remonte les mains vers le ciel. On se grandit, on expire, on relâche les mains vers le sol, on transfère le poids du corps vers l'avant et on vient trouver une table. On prend le temps, on va bouger dans des chavaches, on inspire, les fesses se tournent vers le ciel, on regarde vers le plafond, on pousse les mains dans le sol pour éloigner les épaules des oreilles. On expire, on arrondit le bas du dos, on ramène le coccyx vers l'avant, on ramène le menton vers le cou. On inspire à nouveau, on ouvre. On expire, on ferme. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On inspire, on retrouve un dos neutre. On vient crocheter les orteils, on vient chercher son premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la tête. On n'hésite pas ici à rendre son chien mobile en pédalant un petit peu le pied droit, le pied gauche, en pliant alternativement les genoux droit et gauche. On relâche bien la tête. Les pieds sont à la largeur du bassin. Les talons sont effacés derrière les orteils.
Les mains bien ouvertes à la largeur des épaules, les index parallèles au bord externe du tapis, le regard vers les pieds ou vers les genoux. 1. 2. 3. Rotation externe des épaules. 4. Les genoux, regardez vers les mains, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Inspirez le dos long parallèle au sol. Et on expire. Flexion avant, relâche la tête. On a plat sur le sol, les épaules bien détendues, les genoux pliés. La nuque complètement détendue. Pliez les genoux, ramenez les cuisses parallèles au sol. Puis les bras le long des oreilles. Regardez vers vos mains, respirez. Inspirez, remontez, Tadasana. Expirez, flexion avant, descend jusqu'au sol, main à plat sur le sol et genoux pliés. On le refait encore. Pliez les genoux, les cuisses parallèles au sol, les bras le long des oreilles, on regarde vers ses mains. On respire, on serre le bas du ventre et on rétroverse le bassin. On allonge bien le bas du dos. On l'arrondit. On inspire, Tadasana. On expire, Uttanasana. Flexion avant, on continue un petit peu plus rapidement. On inspire, la chaise, mets les cuisses bien parallèles au sol. On s'assoit vers l'arrière, on expire ici. On inspire, Tadasana. On expire, Uttanasana, flexion avant. On inspire, on retrouve cuisse parallèle au sol, regard vers les mains. On expire ici. On inspire, Tadasana. On expire, Uttanasana, une dernière fois. On inspire, cuisse parallèle au sol. On expire ici. On inspire, on remonte. On expire, Uttanasana, flexion avant. Main à plat sur le sol, on recule le pied droit à l'arrière du tapis. On dépose le genou droit sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. La cheville gauche bien en dessous du genou gauche, on reste là. 1. On essaye de bien centrer ses hanches. 2. Puis on garde les hanches vers l'avant, on ouvre juste les bras, juste les bras. On amène la main droite sur la cuisse droite et on ramène le bras à gauche le long de l'oreille. On inspire, on monte le bras droit. On amène les bras en V, puis on ramène le buste vers l'avant. Et on ramène les mains sur le sol. On retourne les orteils du pied droit. On vient en planche. On inspire en planche, genou au sol. Demi chaturanga, on descend jusqu'au sol. On inspire, on ouvre. Petit cobra, les épaules bien étendues, les coudes serrés au corps. On expire, chien, tête en bas, fessiers vers le haut, vers l'arrière. On plie les genoux, ramenez les pieds à l'avant du tapis, gros orteils en contact. Inspirez le dos long, expirez, flexion avant, relâchez la tête. Pliez les genoux, ramenez les cuisses parallèles au sol. Bras le long des oreilles, regardez vers vos mains. Expirez ici. Inspirez Tadasana. Expirez Uttanasana, relâchez jusqu'au sol. On le fait 3 fois, on plie les genoux. La chaise, les cuisses vraiment parallèles au sol. Allez bien, bah expirez ici. Inspirez, montez.
Expirez, flexion. Inspirez la chaise. Expirez ici. Inspirez Tadasana. Expirez Uttanasana. À plat sur le sol, reculez le pied gauche. Et ramenez le genou gauche sur le sol. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Les hanches bien vers l'avant, la cheville droite en dessous du genou droit et on respire. Tenez votre périnée, serrez votre bas du ventre et ramenez en permanence la hanche gauche vers l'avant. La laissez pas s'ouvrir, quitte à aller moins loin dans la pose. Gardez les hanches vers l'avant et laissez juste les bras s'ouvrir. C'est le buste qui s'ouvre, on est dans une torsion. On ramène la main gauche sur la cuisse gauche et on vient vers l'arrière. Regardez votre pied du coin de l'œil. Vous remontez le bras droit, puis le bras gauche. On forme un V, mon torse est toujours vers la gauche et je ramène mon torse vers l'avant. J'inspire ici, j'expire les mains vers le sol. Crochetez le pied gauche, inspirez, venez en planche. Expirez, chaturanga ou demi-chaturanga, genou au sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pliez les genoux et venez vous asseoir. Passez les jambes à l'avant. Tendez les deux jambes. Puis pliez le genou droit et laissez le genou droit s'ouvrir vers le côté. Reculez la chair des fesses. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les vers l'avant. Essayez d'allonger au maximum le dos. Ouvrez bien vos épaules. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, la main droite à l'arrière. Posez la main droite sur le sol. Poussez votre pied gauche dans le sol. Soulevez votre bassin. Poussez les hanches vers l'avant. Serrez le bas du ventre. Redéposez doucement les fesses dans le sol. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, venez vers l'avant et on tourne. On ramène la main gauche à l'arrière cette fois-ci. Le pied droit vient s'ancrer dans le sol. Et on pousse fort. On pousse son pied gauche dans le sol. On est sur la pointe des pieds du pied droit. Et on ouvre de l'autre côté. On redescend les fessiers sur le sol. On tend la jambe droite et on plie le genou gauche. On laisse le genou s'ouvrir, le pied droit bien flex. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on vient vers l'avant. Les orteils bien vers soi, on regarde les orteils du pied droit. On allonge le dos, on ouvre ses omoplates. On inspire les bras vers le ciel, on expire, on ouvre la main gauche sur le sol, on pousse le pied droit dans le sol et on ouvre vers l'arrière. On redescend les fesses dans le sol, les deux bras vers le ciel, on inspire ici. Et on tourne, on suit sa respiration, main droite à l'arrière cette fois-ci, pied gauche vient s'ancrer dans le sol, on pousse, on amène le pied droit sur le sol, on vient sur la pointe des pieds du pied gauche et on ouvre vers l'arrière. Et doucement, on ramène les fesses au sol et on vient s'allonger sur le dos, on ramène les genoux à la poitrine. On entrelace les bras autour des genoux et on serre.
fort les genoux. Les deux pieds en contact, les deux talons en contact. On inspire profondément par la bouche. Par le nez, pardon, et on expire par la bouche. Relâche les jambes, on s'allonge juste un instant, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois. On laisse tout son corps se déposer un instant, on lâche bien son front, ses joues, sa mâchoire. On prend juste un instant ici pour laisser la chaleur redescendre. Puis on ramène les bras derrière la tête, on entrelace les doigts, on s'étire. On peut pointer les pieds, puis on ramène les genoux à la poitrine et on vient en Shavasana d'un côté. Donc on ramène les genoux d'un côté, on pousse une main contre le sol et on revient s'asseoir. Vous pouvez rester ici en méditation un petit peu plus longtemps pour prolonger cette pratique ou tout simplement rouvrir les yeux pour attaquer le cours de votre journée. Namasté.